Moi qui essaye de me battre pour qu'on passe pas trop de temps sur les réseaux sociaux, ou alors, si on passe du temps sur les réseaux sociaux, faut que ce soit vraiment utile après pour notre vie, parce que la vraie vie, c'est quand même en dehors des écrans. J'ai passé 15 minutes hier. 15 minutes! C'est un quart d'une heure! C'est énorme! À écouter Victoria Beckham. Je pense que si elle avait pas été une Spice Girl, jamais je l'aurais écoutée. Mais là, j'aimais trop l'écouter. C'était trop classe! Avec son petit accent. Je me disais, c'est ouf quand même. J'essaye d'aider les parents sur Instagram, mais elle, elle aide les gens à ce que le nez paraisse plus fin. Du coup, bon, moi j'ai pris le fond de teint que j'ai. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas acheté du maquillage, donc voilà, il est dans cet état-là. Donc elle disait qu'il faut s'en mettre sur le nez pour qu'il paraisse plus fin. Ah, bien sûr, j'ai pas le bon matériel, sinon ça marcherait sans problème. Sur le menton, pink on my cheek. D'ailleurs, puisqu'on en parle, quand on re-regarde des vidéos des Spice Girls maintenant qu'on a 40 ans et qu'on voit que c'est des meufs en culotte en fait. Elle chante en culotte. À quel moment on a trouvé que c'était cool quand on était enfant des meufs qui chantent en culotte à paillettes? Mais on a kiffé. Mentez pas, on a kiffé. Mais elles sont en culotte.